أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه ومن تبع بالإحسان إلى يوم الدين. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. شيخ خير شيخ سير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir notre frère en Allah, Abd al-Fattah Rahawi, imam prédicateur et directeur de l'établissement privé à Toulouse. Donc sans plus tarder, nous allons pouvoir échanger avec lui quelques mots. Cher frère Abd al-Fattah Rahawi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Nous voulions que vous nous expliquiez en quelques mots pour les frères et sœurs qui ne vous connaîtraient pas, qui vous êtes et quel est votre parcours. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Le faible serviteur que je suis, simplement, tu l'as bien avancé en disant que j'étais effectivement un prédicateur, un imam, et en même temps donc je suis le directeur de l'école privée hors contrat Al-Badr qui se situe à Toulouse. Donc notre combat aujourd'hui se situe sur deux fronts. Le premier, c'est celui de l'éducation qui passe avant tout. Et le deuxième sur le fait de défendre nos droits dans une situation aujourd'hui qui n'est pas aussi rose, avec ces crispations, avec ces craintes de la part de la société et de ceux qui font aussi en même temps. Et je pense que l'on dira quelques mots dans quelques instants. Donc en l'occurrence, le thème de cette année de la 32e, de la 3e rencontre annuelle des musulmans de France est Mohammed, prophète de miséricorde et de paix. Allez, salut, salut. Quel sujet évoque-t-il pour vous ? Et quand on parle du prophète, très certainement, on ne peut que se rappeler ce verset qui dit « Bada'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » et on ne t'a envoyé que miséricorde pour les mondes. C'est la première des choses qui doit émaner de la conscience de chaque musulman. Mais c'est à nous en même temps de la faire partager à des citoyens de confession non musulmane pour qu'ils puissent connaître cet homme qui a été, je le rappelle et je ne mâcherai pas mes mots, blasphémé, insulté par plusieurs sans raison valable. Et on est en train d'expliquer effectivement que c'est une chose qu'il va falloir essayer de respecter dans le futur. Mais cet homme, alayhi salatu wassalam, est un modèle, il est un modèle pour toute la communauté. « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana » Il vous a été en la personne du prophète, l'envoyé d'Allah, un très beau modèle, le meilleur des exemples, effectivement. La vie, effectivement, sa vie est pleine de leçons, elle est pleine, effectivement, de bilans qu'on devrait, effectivement, mettre en avant-plan afin de miroiter notre vie ici en Occident et en l'occurrence en France. Alhamdoulilah, à travers votre message, on voit que la miséricorde est le combat d'une vie. Donc, subhanallah, pour amener à l'excellence, vous avez décidé de lancer le premier établissement privé musulman à Toulouse. C'est ce qui explique en partie votre présence aujourd'hui. Expliquez-nous quel est votre projet. Vous parlez, je pense, du deuxième, pas du premier. Oui. Du deuxième. Projet actuellement pour lequel on est ici, c'est essayer de parler des écoles musulmanes qui aujourd'hui me paraissent une priorité sociale pour la communauté musulmane. Pourquoi ? Nos parents sont venus il y a quelque temps de ça, ils n'avaient pas le choix, ils sont venus pour manger ici en France. C'est vrai que ce qui se passe socialement parlant, de notre part, dans notre communauté aujourd'hui, et je rappelle un chiffre qui n'est pas rose à entendre, qui n'est pas plaisant à entendre, c'est que 70% des incarcérés dans les prisons françaises sont des musulmans. Les écoles musulmanes sont là pour pallier à cette déficience d'éducation et d'instruction aussi en même temps. Ça, c'est effectivement le premier plan dans lequel on aimerait s'inscrire et on va effectivement s'y inscrire. Et ce qui me plaît de rappeler, une école musulmane telle que celle d'Averroès qui a fini meilleur lycée de France. C'est une fierté pour toutes les communautés et j'invite effectivement à suivre cette excellence scolaire par tous les établissements musulmans, se situant bien sûr sur le territoire français. Donc l'instruction, mais qui est mariée aussi avec une certaine éducation religieuse. Donc on ne peut pas séparer le religieux de la vie d'un musulman. Et en se basant même sur la vie du prophète, qui était un prophète, qui était un mari, qui était un père, qui était un guide, qui était un commandant, qui était un éducateur, qui était un enseignant, c'est que tous ces points doivent se rassembler en la personne du musulman vivant en Occident
vivant en France et en nous, on ne sépare pas, comme le disent beaucoup, le politique du religieux. L'islam, c'est un tout dans la vie du musulman. Ça gère sa vie spirituelle avec son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, mais en même temps la vie qu'il vit socialement parlant. Tout à fait. Donc en l'occurrence, on sait que le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit que le meilleur d'entre vous est le plus utile aux autres. Donc à travers cet héritage prophétique, vous tentez dans votre école d'amener ces musulmans-là à être dans la société des membres actifs et d'être le meilleur pour les autres. Malheureusement, ce qui normalement devrait être bien perçu de la part à la fois des musulmans et des non-musulmans n'est pas toujours le cas. Je crois qu'actuellement, à travers les événements post-Charlie, vous traversez un contexte particulier et un petit peu difficile. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe actuellement ? Il y a l'avant et l'après-Charlie Hebdo. Même si, comme je l'ai mentionné plusieurs fois aux différents médias, c'est que cette condamnation est sans lance d'un doute. Mais ces citoyens en France, ou des médias, ou des politiques, n'aimeraient pas entendre le mais qui vient qui juste après la condamnation. Et je ne suis pas du style de responsable, entre guillemets, musulman, qui va dire « je condamne et je m'arrête là ». On le condamne avec la plus grande fermeté. Mais ce que je rappelle aussi en même temps, comme je l'ai souvent rappelé aux différents médias, c'est que en la personne du prophète lui-même, et j'aimerais le rappeler avec force, quand en Occident, les citoyens en France, pour ne parler que de la France, ou d'ailleurs, tels que le Danemark ou autres, vivent avec leur richesse, vivent avec leur technologie, avec leur confort, on rappelle que dans les pays du tiers-monde, qui sont des pays musulmans, quand ils mangent une fois par jour, ce qui le fait vivre, réveiller, dormir en même temps, c'est ce sacré qui le fait vivre. Le fait que cet homme, c'est celui qu'il aime le plus sur cette terre, il aimerait ressusciter avec lui et être avec lui au paradis. C'est une conscience que le musulman a, que le non-musulman n'a pas. Et qu'au nom d'une certaine liberté d'expression, ils sont prêts à blasphémer le sacré de ce musulman qui est sa raison de vivre sur cette terre. C'est pour ça qu'on dit qu'on condamne très certainement, mais que le gouvernement arrête d'encourager des blasphèmes comme cela. Et ce qui me fait un peu rire, c'est que dernièrement, avant les votes des départementales, on l'a tous vu, ou quasiment tous vu, quand le président de la République était fâché contre une une de Charlie Hebdo, on va se dire quand même il y a deux variations géométriques ici. C'est contre les musulmans, vous pouvez effectivement vous exprimer librement, mais quand c'est contre, et je le dis sans mâcher mes mots, contre les juifs ou contre le gouvernement, ben là il va falloir effectivement s'exprimer beaucoup moins que ça. Et c'est pour cette raison qu'on est en train de dire aux musulmans qu'on va condamner fermement, mais en même temps, nos droits ils vont être défendus jusqu'au bout. Et vous l'avez peut-être souligné, la persécution que je suis en train de vivre actuellement, je sors d'une garde à vue, donc est traité comme un criminel, menotté et avancé auprès d'un juge d'instruction pour m'intimider. Je viens de recevoir une deuxième convocation avant-hier sur mon chemin quand je venais ici à Paris. Mais je rappelle juste une chose, c'est que ces convocations et ces gardes à vue ne m'intimideront guère et qu'on continue notre combat qui est dans une lignée citoyenne en France. Un citoyen en France qui veut défendre sa foi, sa religion et de dire vous allez respecter nos droits parce qu'il n'y a aucune société sur cette terre qui sort autant de lois contre une communauté qui est une minorité religieuse. Et moi j'invite aussi en même temps nos différents responsables, en même temps, en parlant de nos frères de l'UOIF, à avoir plus de courage à condamner, mais en même temps à dire que le sacré qui fait vivre un musulman doit être crié haut et fort pour soit respecté, parce qu'on ne veut recevoir aucune subvention de l'État, c'est ma lignée que je suis en même temps, parce qu'on ne me fera pas taire en même temps. Parce que si on dit aimer le prophète, salawatu rabbi sallam, dans une assemblée comme celle-ci, l'aimer n'est pas qu'avec la bouche, l'aimer c'est avec les actes aussi en même temps. Tout à fait. Mais justement concernant ces actes, on voit bien que vous vous inscrivez dans un combat afin d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment la Ummah pourrait-elle vous aider dans ce combat ? J'appelle mes frères et mes sœurs. C'est-à-dire ce qu'on vit peut paraître de loin extrêmement facile. Ça peut, mais bon, Dieu merci, ce n'est pas une chose qui est facilement. Donc on peut bien évoquer aussi facilement. Je les invite à nous soutenir, à apprendre effectivement. La première des choses que je les invite à faire, c'est d'apprendre leur religion. Moi, je ne commence pas par la fin.
La première des choses, c'est leur relation avec leur créateur, subhanahu wa ta'ala. Un, une bonne aqida, avec le fait d'apprendre sa religion en même temps. La deuxième des choses, c'est de s'inscrire dans une lignée éducative, une lignée d'instruction. Et ceci ne peut passer que par des écoles saines qui apprennent l'excellence aux enfants. Je les appelle à nous soutenir, à nous aider en même temps, parce qu'il me paraît qu'aujourd'hui, les écoles musulmanes sont une nécessité dans notre société française. On s'inscrit dans cette lignée et j'aimerais bien que le message soit passé pour qu'ils puissent soutenir cette minorité d'écoles qui sont en train de fleurir en France. Et je garantis une chose, mais grâce à notre Seigneur, que les élèves qui passeront par des écoles musulmanes ne seront pas ceux qui feront les attentats et qui vont rejoindre Daesh en Syrie et en Irak. Parce qu'ils recevront une instruction islamique saine qui leur fera comprendre que ce qui se passe là-bas, en Syrie, en Irak, ou ce qui se passe sur le sol français des fois avec ce genre d'attentat, que l'islam, on sait que ce qui se fait n'est pas islamique et est en même temps condamnable. Mais qu'on nous laisse travailler tranquillement et d'une manière sereine. D'accord. Et le fait, en fait, que vous avez besoin pour pouvoir travailler, vous avez rappelé que vous étiez un établissement hors contrat. Comment la Ouma pourrait-elle concrètement vous apporter son aide? On ne tourne pas autour du pot, c'est financièrement parlant. Les écoles ont besoin d'argent. C'est pour ça que j'appelle mes frères et mes sœurs, ceux qui peuvent nous soutenir, nous aider financièrement, s'il vous plaît, faites-le, parce que ce sont les nerfs de la guerre. C'est le nerf de la guerre, le fait d'avoir un financement pour pouvoir payer des professeurs, les locaux et toutes les charges. Donc si aujourd'hui, dans cette assemblée, il n'y avait pas un financement, on ne pourrait pas se rassembler. L'argent n'est qu'un moyen, ce n'est pas une finalité. Barakallahu fik. Allah fik. On vous remercie beaucoup pour ces quelques mots, de nous avoir apporté un éclaircissement. Allah on espère, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah Azza wa Jalla vous protégera de nos ennemis, Amen. De ceux qui veulent vous arrêter dans votre combat. Nous avons bien compris que votre combat était noble. Et Inch'Allah ta'ala, nous appelons nos frères et sœurs à soutenir l'établissement Al-Badr à Toulouse et de manière générale à soutenir l'ensemble des établissements privés musulmans en France, parce que nous savons très bien qu'une Ouma éduquée, instruite, est une Ouma qui demain, Inch'Allah, pèsera sur la scène internationale, Inch'Allah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.